J'ai le plaisir de féliciter l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour l'attribution du prix Nobel de la paix 2013. Cette récompense arrive presque 100 ans après la première attaque à l'arme chimique et 50 jours après une révoltante utilisation de ces armes en Syrie. Loin d'être des vestiges du passé, les armes chimiques restent un danger évident et toujours présent. And present danger.